On peut les applaudir hein, pendant les serrages de main. Grand moment. Algérie, Nigeria, cet après-midi en finale. Voilà, on commence avec les hymnes, on commence avec l'Algérie. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour les hymnes. Merci. Yeah.
Ok, mesdames et messieurs, nous y sommes à cette finale du ciel Mauritius 7 qui opposera l'Algérie au Nigeria. Une finale qui se jouera sur 2 fois 10 minutes après... Après les protocoles, place au spectacle maintenant avec le coup d'envoi pour l'Algérie. Récupéré par le Nigeria. Je pense que c'est les deux équipes qui ont le plus impressionné durant ces 2 jours. Voilà. La passe récupérée par l'Algérie qui fait un demi. Il est passé, le numéro 20. Repris. Ballon toujours en position de l'Algérie. Calme le jeu. Reviennent. Coup de pied. Manqué. Counter-ruck. Numéro 2. Voilà, numéro 6, Nigérian qui renvoie sur l'autre côté. Position de 3 contre 2. Il va au contact. Ballon toujours Nigérian. Au contact là. Ballon qui repart à l'autre sens. Numéro 2 qui essaye de passer les bras. L'Algérie tient bien face au Nigérian. Et une pénalité là pour le Nigeria. Pour au jeu. Ballon toujours en position du Nigeria. Qui ouvre sur l'extérieur. En avant du Nigeria. L'Algérie a une belle opportunité là. 2 contre 2. Revient à l'intérieur. Mais le Nigeria reprend le ballon. On aura un en avant. 2 passes. Ballon pour le Nigeria. Première épreuve de force dans ce match. Voilà le mané, le coach de l'équipe d'Algérie. Les Nigérians sont positionnés avec 2 joueurs de chaque côté de la mêlée. Ce qui donne 2 options d'attaque, à droite ou à gauche. La mêlée est stable. La production Nigeria. La mêlée. Le ballon n'est pas contrôlé par le joueur nigérian. Il est pas l'arbitre signale que le ballon est en repère à l'arrière, donc on continue à jouer. On a une pénalité pour un tacle haut, avantage pour le Nigeria. Il va essayer de déborder son vis-à-vis. Repris. Numéro 8. Il arrive à passer les bras et à faire une belle passe à son numéro 17. Ballon pour... Là, on revient à la pénalité pour le Nigeria. Pour attaque haut. Ballon qui repart en sens inverse. Numéro 2 qui va y faire prendre le contact. Le ruck toujours pour le Nigeria, repartir à droite. On voit 2 équipes qui se jaugent dans cette partie. Voilà une attaque du numéro 20. Le ballon repart de l'autre côté. La possession est nigériane dans ce début de match. Pénalité pour le Nigeria encore une fois. Voilà le staff de l'équipe du Nigeria, dont le coach. Un petit rappel à l'ordre de l'arbitre.
essaie de repartir à droite. Belle défense là de l'Algérie. On inverse le jeu maintenant. Montée défensive rapide du joueur. Maintenant, ça va créer un trou. Numéro 8. Il est repris. L'Algérie récupère le ballon. Il y a un en avant du Nigeria. On aura une mêlée pour l'Algérie. La première mêlée a été très stable. Allons voir celle-là. Donc, introduction à Algérie qui va devoir sortir le 7-2. Peut-être utiliser le banc. Non, le Nigeria récupère le ballon. Il repart sur le petit côté. Il y a un coup à jouer à l'extérieur. Oh, malheureusement, il n'arrive pas à la donner. On va avoir une mêlée pour l'Algérie. Je pense que l'Algérie veut vouloir sortir de leur 22 là. Introduction de l'Algérie, voilà, là la balle est contrôlée. Il joue en main, mais à l'extérieur où il y a un trou. Bien vu ça. Le joueur est passé. Il a un support. Il y a quelqu'un qui vient derrière lui. Il est passé quand même le numéro 10 algérien. Et voilà le premier essai de cette finale pour l'Algérie. Essai de l'Algérie entre les poteaux. 5-0. On attend la conversion à venir. Équipes se sont jugées face à l'autre. L'Algérie a réussi à trouver le trou malgré une grande possession du Nigeria. La conversion est bonne, 7-0. Et on attend le coup de sifflet pour la mi-temps. Bon, on est encore en temps de jeu, donc le Nigeria peut encore revenir dans ce match. Pied haut, récupéré par l'Algérie qui rentre dans les 22 du Nigeria. Pénalité pour le Nigeria à 10 et carton jaune pour l'Algérie ou pas. Non, l'arbitre revient sur sa décision. Donc pénalité pour le Nigeria. Par petit côté, essaie de déborder son vis-à-vis, fait une croisée. L'Algérie récupère le ballon. Il joue avec le scoreur, le numéro 10. Ralentit le jeu. Voilà, le ballon est sorti, pénalité pour le Nigeria. Il va essayer d'égaliser juste avant la mi-temps. Voilà, c'est fait. Le ballon est pour le Nigeria pour la pénalité. Ah, le numéro 6, le Nigeria est passé. Diatto. Il vient marquer 7-5. Donc 7-5 pour le Nigeria. On attend la conversion. Conversion à venir. Non, elle n'y est pas. Donc mi-temps
Algérie 7, Nigeria 5. Merci. Huitième de la finale. Algérie 7, Nigeria 5. We are often so busy with our daily responsibilities that it's easy to forget why we do it. We believe in excellence, ethics, and sustainability. And we believe in our people and their ability to step up to any challenge. We ask 30 individuals from each of our clusters to go beyond their comfort zone. Unlock their imagination. And share their expertise. Different people from different backgrounds with very different skills. With one thing in common. They shared a common purpose and believed in the same principles. Beyond, for a world we can all feel proud of. Voilà donc, on va repartir pour cette dernière mi-temps de ce ciel Mauritius 7 qui nous a fait tant rêver pendant tout le week-end avec un très beau spectacle de rugby avec différentes équipes de 12 différentes nations. Voilà le coup de pied du Nigeria qui biait les 10 mètres. Nigeria récupère le ballon. Dans l'avancée. Mauvaise passe. L'arbitre a vu en avant. Bien arbitré. Donc on aura une mêlée pour l'Algérie. Changement du côté de l'Algérie avec l'entrée du numéro 4. Ballon est gagné par l'Algérie, mais bras cassé par introduction qui n'est pas dans le couloir, mais dans les pieds du talonneur algérien. Donc le Nigeria repart à l'attaque. Bon, 23 qui essaie de déborder à l'extérieur, il ralentit. Il met deux joueurs quand même algériens dans le noir. Toujours le Nigeria en possession du ballon. Bon, 9. Essaie de déborder. Bien lu. Le ballon est pour l'Algérie qui va essayer d'aller marquer. Numéro 6 Algérien. Donc nous sommes, le score est de 12 à 5. Avec la conversion à venir. L'Algérie qui a quand même pas mal de maîtrise dans ce jeu. Coup de pied qui passe légèrement à droite du poteau, donc ce n'est pas converti. 12 à 5, le Nigeria a besoin d'avoir un essai transformé pour revenir à égalité avec l'Algérie. L'Algérie qui va donc taper vers le Nigeria contre le vent. Beaucoup de pieds. Par l'arrière, récupéré par l'Algérie. L'Algérie continue à avancer. Il est pris par deux joueurs nigérians. Toujours
joueur en écarte. L'Algérie toujours qui conserve le ballon. Fait rouler le chrono et il trouve l'espace à l'extérieur. Repique à l'intérieur. Ballon à l'extérieur, il y a un 2 contre 1, s'il la joue bien. Revient à l'intérieur, petit Chistera. Très belle passe. Morodis qui fait jouer son jeu de jambes. Cherche du support. Il trouve. Passe au pied. Essai de l'Algérie. Essai de l'Algérie. 17 à 5. Donc changement du côté de l'Algérie avec l'entrée du numéro 3. La transformation qui touche la barre du poteau extérieur. Donc le score reste 17 à 5. On a un remplacement aussi du côté du Nigeria avec l'entrée du numéro 16. Encore 3 minutes, 2 minutes et demie à jouer dans cette mi-temps. Très haut coup de pied, récupéré par le Nigeria. Avec le numéro 7 qui essaie de déborder. Il est repris. Mais le ruck est très bien contesté par le numéro 5 algérien. L'Algérie qui repart à l'attaque. Il y a de la place sur l'extérieur. Il décide de garder le ballon. On aura une pénalité pour le Nigeria car il garde le ballon au sol. Alors qu'on aura un arrêt du jeu avec un joueur nigérian qui est blessé. Et tout de suite remplacé par le numéro 15 du Nigeria. On assiste quand même à une très belle finale, maîtrise de la part de l'Algérie malgré la possession nigériane. On a assisté quand même à de beaux matchs avec l'équipe de Maurice qui finit donc à la cinquième place. Avec un très beau match contre le Sénégal qui avait gagné sa poule hier. Belle performance de cette jeune équipe mauricienne. On attend quand même du mieux pour l'avenir. Je vous rappelle que le gagnant de ce tournoi du ciel, Mauritius 7, ira jouer un autre tournoi au Zimbabwe. Et c'est le gagnant de ce tournoi qui ira ensuite aux Jeux Olympiques. Ce qui démontre quand même la qualité des équipes que nous avons eues pendant tout ce week-end. Et on peut être fier de notre quadricolore national qui a fait flotter haut les couleurs de notre pays. Alors que on voit les lumières qui s'allument sur le stade.
On voit le coach nigérian pas très serein là pour car il reste quand même que 1 minute et 40 secondes de jeu et son équipe est menée 17-5. Il va falloir qu'il score au moins deux fois pour avoir sinon l'espoir d'égaliser et peut-être de partir en prolongation. On voit le joueur nigérian qui est amené dans le coin médical pour des examens. Et le jeu va pouvoir reprendre sous peu. Voilà les 6 Algériens avec un joueur qui est derrière qui couvre le coup de pied. Ou si un joueur traverse la défense, il sera là pour couvrir. Jouer un peu le rôle de l'arrière. Et le Nigérian va essayer de repartir à la main. Essayer de trouver l'ouverture. Pénalité pour le Nigeria. Le joueur se retourne sur le sol. Il doit rester en place. Minutes 30. Donc l'Algérie est à 10 mètres, à 1 minute 30 de la victoire. Ils vont sûrement essayer de faire jouer le chrono. Garde le ballon pour faire bouger la boule tranquillement. On dit de se faire avoir et on va jouer le ruck. Beau tackle du numéro 3. Et le ballon est reparti vers le. Pour l'Algérie qui est toujours en possession du ballon, qui avance. Pénalité pour le Nigeria, il y a avantage. On laisse jouer la boule. Attention, le Nigeria qui essaie de prendre l'intervalle, il est repris, on va revenir à la pénalité. Donc pénalité pour le Nigeria. Il reste plus que 30 secondes à jouer dans cette finale du CL Mauritius 7. Ça va être difficile pour le Nigeria de revenir. Il y a toujours en possession, il est repris, le support est long à se mettre en place. Donc l'Algérie récupère le ballon, ils vont essayer de planter un dernier essai, oui, chose qui va être fait. Voilà, l'Algérie qui score. Et la fin du match, victoire de l'Algérie dans ce tournoi du ciel, Mauritius 7, la conversion à venir. Bien sûr, avant la conversion. Conversion à venir donc pour l'Algérie qui va sceller ce tournoi du ciel Mauritius 7. Le ballon passe 24-5. Bravo à l'Algérie et très beau match du Nigeria. Well done. 24-5 pour l'Algérie de cette finale. Ciel Mauritius 7.
It was a pleasure commenting those games to you this weekend. I think we enjoy every single bit of it. First time in Mauritius. I want to say a very, very big well done to the Mauritius Rugby Union for organizing this tournament. And well done to Algeria. Well done to Ajab, the champion of the CL Mauritius Sevens. Thank you very much for following us. And from La Bourdonnais Sports Club, goodbye and have a lovely end of the day. Bye-bye. Rejoignez-nous, s'il vous plaît, pour la grande photo de famille. On va peut-être pousser les tables. Attention, il y a une caméra sur la table. On va faire une méga photo de famille.